À la croisée des mondes. C'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, dont 2,5 millions d'exemplaires en France. Son auteur, Philippe Pullman, nous fait l'honneur d'être là ce soir. Il sort La Belle Sauvage, le tome 1 de sa nouvelle trilogie. Juste avant de l'accueillir sur ce plateau, je vous propose de revenir en images sur une vie et sur une œuvre. Portrait en 5 dates, signé Inès de la Motte-Saint-Pierre. – 1954, Philippe Pullman a 7 ans. Son père, pilote de la Royal Air Force, trouve la mort dans un accident d'avion au large du Kenya. De retour en Angleterre, il est confié un temps à son grand-père maternel, auprès de qui il construira son imaginaire. Des soirées entières, il écoute les récits de ce pasteur anglican. Il avait le don, confiera-t-il, de façonner une histoire à partir du moindre événement. 1972, Philippe Pullman devient professeur. Après de brillantes études, ce diplômé d'Oxford, passionné de poésie, s'évade en enseignant à des jeunes l'art du récit puisé dans la mythologie grecque. C'est en hommage à ses anciens élèves qu'il publiera quelques années plus tard Les aventures de Sally Lockhart. Sa voie est tracée, il sera écrivain. 1995, parution des Royaumes du Nord, premier tome de la trilogie fantastique à la croisée des mondes. Le grand public découvre une héroïne au grand cœur, Lyra, des animaux étranges, des mondes parallèles, mais aussi un auteur érudit, nourri des œuvres des poètes anglais John Milton et William Blake. Méditation sur la famille, roman initiatique, charge contre les intégristes religieux, À la croisée des mondes est saluée comme l'une des œuvres les plus ambitieuses et les plus riches de la littérature jeunesse. 2000, avec Le miroir d'ambre, Philippe Pullman met un point final aux 1115 pages de la trilogie. Un succès planétaire, une saga vendue à 20 millions d'exemplaires. Philippe Pullman séduit parents et enfants. Pour la première fois, un livre jeunesse rafle Whitbread, un des prix littéraires les plus prestigieux d'Angleterre. 2007, Hollywood s'empare du phénomène. Au cinéma, le premier tome de la trilogie Les Royaumes du Nord devient la boussole d'or avec Nicole Kidman et Daniel Craig. Philippe Pullman s'attire les foudres de groupes chrétiens américains. On lui reproche des livres hérétiques. Certaines bibliothèques le censurent. Flegme britannique oblige, Philippe Pullman rétorque : « Je ne suis pas inquiet, les livres sont là ».